des parents est suggéré. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un monsieur qui se présentait bien, qui avait une belle personnalité là, à le voir, toujours bien habillé, toujours habillé à la mode. Vraiment, on voyait que c'était un monsieur là, qui s'occupait de lui. C'est dramatique, c'est cauchemardesque, c'est... On ne peut croire à ça. Lorsqu'on entend parler de gens qui ont tué, il y a souvent eu une escalade auparavant, une escalade qui a été dissimulée par les proches. Mais c'est pas vrai que c'était un premier geste. Jamais, d'aucune façon, nous avons cru qu'un tel drame pouvait survenir dans notre voisinage. Le jeudi 22 mars 2007, deux policiers se rendent à une résidence de la rue Milhaud, au Cap de la Madeleine, à la recherche de deux personnes portées disparues. Il y avait une disparition qui avait été rapportée au poste de police. Monsieur qui était disparu, monsieur qui était affiché. Et aussi, lui-même avait rapporté sa femme qui ne répondait pas à ses appels la veille. Alors les policiers ont effectué des recherches pour retracer ces deux personnes-là. Personne ne semble être présent à l'intérieur de la maison. Mais craignant pour la sécurité des personnes disparues, les deux policiers décident de fouiller la résidence. Lorsqu'ils arrivent au sous-sol, un des policiers fait une découverte horrifiante. En 1969, Lucie Fournier, qui habite la région de Matane, ne parvient pas à dénicher un poste d'enseignante et déménage à Montréal pour trouver un emploi. Elle y fait la rencontre de Gaëtan Pichet, un bibliothécaire qui partage sa passion pour la pratique religieuse. C'est le coup de foudre. Lucie Fournier et Gaëtan Pichet se marient la même année. Ils s'établissent sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Un an plus tard, en 1970, Lucie donne naissance au seul enfant que le couple aura, un garçon que l'on prénomme Alain. Cette année-là, la petite famille déménage au Cap de la Madeleine, un arrondissement de 33 000 habitants de la ville de Trois-Rivières. La famille Pichet se mêle très peu aux voisins et passe pratiquement inaperçue. Je voyais régulièrement madame qui étendait son linge et c'est cette façon-là qu'on a pu entrer en communication l'une l'autre. Puis on se disait bonjour, bonne journée, mais ça n'a jamais été une relation, j'allais vous dire saine, mais oui, elle était saine notre relation, mais ça n'a jamais été une relation de bon voisinage. Les voisins ignorent que le père de la famille Pichet, Gaëtan, est affligé d'une maladie mentale. La schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale grave, relativement fréquente, qui se caractérise par une désorganisation du fonctionnement de l'esprit humain, désorganisation des pensées, de la réflexion, mais aussi du ressenti et de l'expression des émotions, et éventuellement, ça débouche sur une désorganisation du comportement. Gaëtan, lui, suit un traitement quotidien qui lui permet d'être stable.
contrairement à d'autres personnes atteintes de la maladie. Sa place peut être à un extrême dans un hôpital sécuritaire comme le nôtre, avec très peu de sorties, et à un autre extrême sur le marché du travail, à vivre avec son conjoint ou sa conjointe, et puis à mener une existence paisible et rangée. Alors, c'est tout un éventail, ça, la schizophrénie. Malgré ses traitements, Gaëtan devient facilement irritable et ses voisins remarquent peu à peu des changements dans son comportement. Il y avait un petit jardin, il y avait peut-être une vingtaine de plants de rhubarbe. Puis là, à tous les jours, il parlait à sa rhubarbe, puis il flattait sa rhubarbe. Il lavait chaque feuille de sa rhubarbe, puis il disait, « Bien, vous avez bien fait ça cette nuit, puis continuez de même, puis je vais continuer à m'occuper de vous autres. » Les curieuses habitudes de la famille Piché éveillent les soupçons des voisins. Ce qui nous apparaissait étrange et anodin du même coup, c'était que jamais on n'a vu un store ouvert, jamais on n'a vu une porte non verrouillée, jamais on a vu de visite. Là, j'ai jamais vu Alain jouer dans leur cour. Encore moins dans l'autre, évidemment. Mais j'ai jamais vu Alain comme enfant, là, avec un ballon, avec... d'aucune façon. Alain, le fils de Gaëtan et Lucie, commence lui aussi à ressentir certains symptômes de la schizophrénie. Mais sa mère tente de nier la maladie et évite une consultation médicale qui permettrait d'établir un diagnostic. C'est une réaction humaine d'un parent de ne pas vouloir voir l'évidence. Ce sont souvent des personnes qui sont moins émotionnellement impliquées qui vont constater que non, ça n'est pas une crise d'adolescence. Non, ça n'est pas juste une phase. Il y a une maladie qui est en train de s'installer. Le temps passe. Et les Pichés continuent de vivre à l'abri des regards. Alain, lui, poursuit ses études, mais il reste toujours en marge des autres étudiants. Il devient presque impossible de percer la forteresse érigée par la famille Piché. Il y a une fois que j'avais affaire à Mme Piché, entre autres, puis je savais qu'elle était là. Alors, je cogne à la porte, pas de réponse. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'autre-bord pour dire « Madame Piché, c'est votre voisin, M. Rouff. J'aimerais ça vous parler, vous rencontrer pour vous parler. » Elle a dit « C'est bien, M. Rouff. » Elle a dit « Vous pouvez venir à un moment donné. » Mais là, j'ai jamais pu rentrer dans la maison quand même. Là. Au début des années 90, Alain entreprend des études à l'université. Et malgré les symptômes de sa maladie, il réussit à obtenir un baccalauréat en comptabilité. Il y a des schizophrènes qui certainement peuvent travailler, occuper un emploi, gagner leur vie, être autonomes. C'est évident que ces gens-là, probablement, performent socialement à un niveau moindre que ce qu'ils auraient atteint s'ils n'avaient pas souffert de schizophrénie. La maladie dont Gaëtan et Alain sont atteints provoque de nombreuses tensions au sein de la famille Piché. Lucie fait tout en son pouvoir pour calmer son mari et son fils. Mais le climat familial se dégrade de plus en plus. La tension est telle que la moindre contrariété provoque des accès de colère entre les deux hommes. La situation devient rapidement insoutenable. Et Lucie est partagée entre la tentation de demander du secours et le désir de garder son secret. Alain pose alors un ultimatum à sa mère. Il lui demande de choisir qui restera à la maison, lui ou son père. Lucie Fournier est témoin de l'escalade de la tension entre son mari et son fils. Elle est confrontée à une situation déchirante. Mais quel choix fera-t-elle? Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée.
Lucie Fournier vit isolée avec son mari Gaëtan Piché, qui est atteint de schizophrénie, et son fils Alain, qui en présente les symptômes. À la demande de son fils, elle doit choisir entre lui et son mari, qui des deux partira vivre ailleurs. Le couple convient qu'il vaut mieux qu'Alain reste à la maison. Gaëtan est alors placé dans un centre spécialisé, d'où il peut sortir la fin de semaine pour rendre visite à sa femme et son fils. C'est à cette époque qu'Alain se trouve un emploi de vérificateur comptable dans une entreprise. Il était dans sa bulle, il arrivait le matin, il disait bonjour, là, parce que moi, il me voyait le matin en arrivant. Là. Mais il s'en allait tout de suite dans son bureau, puis il parlait pas à personne. Là. Il allait chercher son verre d'eau, s'assoyait, puis il travaillait. Les collègues d'Alain remarquent rapidement qu'il a un comportement étrange, même si son travail demeure irréprochable. C'est sûr que dans l'ensemble, les lois changent souvent. Donc, lui, il était le premier à être à jour. C'est sûr qu'en étant comptable agréé, tu reçois des revues. Lui, il était toujours à la page. Là, il y avait les dernières modifications de la loi. Il se tenait les discours du budget. Là, le soir, il devait étudier ça. Là, le lendemain, il était au courant des changements. Donc, on allait voir Alain et Alain, lui, il pouvait nous sortir la page, le paragraphe que la loi était inscrite. Puis on l'avait. Les collègues d'Alain ne peuvent imaginer sa vie à l'extérieur du bureau et encore moins soupçonner l'emprise qu'il exerce sur sa mère. En fait, Alain n'hésite pas à rendre la vie de sa mère intolérable et redouble d'agressivité lorsque son père vient leur rendre visite. Pourtant, Lucie protège son fils aux dépens de son mari. Mais au travail, il en va différemment. Alain fait face aux moqueries de ses collègues et il y réagit très mal. Moi, là, j'ai jamais mis pour m'amener mon lunch puis mettre une pomme dans un sac Ziploc, là. Tu sais, des petites affaires bizarres, là. Tu te dis, voyons donc, là. Puis nous, on pensait que c'était sa maman qui faisait son lunch, là. Ça, il haïssait ça quand on dit, tiens, maman, t'as fait une bonne soupe à midi. Là, ça le fâchait, là. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un problème, là. À 32 ans, Alain Piché est officiellement diagnostiqué schizophrène. C'est à ce moment que les choses commencent à basculer à son travail. Des fois, on posait des questions sur sa vie personnelle, mais il mettait une barrière, on ne pouvait pas aller plus loin. Alain se mêle de moins en moins à ses collègues et devient des plus étranges quand vient le temps d'interagir avec eux. Il se méfiait tout le temps, là, t'sais, je veux dire, comme s'il y avait toujours quelqu'un derrière lui. Là. T'sais, si on marchait derrière lui, il aimait pas ça, je pense. Là. Mon supérieur l'avait envoyé chez un client qui était une société d'État. Donc, c'était un gros dossier. Et quand il a fallu le retirer du dossier, parce que il était convaincu que les gens là-bas l'empêchaient de faire son travail. Il lui donnait pas les chiffres, il donnait des faux chiffres. Là, il se sentait persécuté là, dans ce travail-là. Donc, il a fallu le retirer du dossier. Là, ça avait aucun bon sens. Alain était déjà agressif à la maison et au bureau. Et c'est maintenant ses clients qui font l'objet de ses colères. On voyait qu'il était de plus en plus agressif, envers nous aussi, hein, parce que là, c'est là que j'ai averti mon supérieur que je pense qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Alain se sent humilié par ses collègues et quitte son emploi sans les prévenir. C'est arrivé assez subitement. Quand on a vu des signes d'agressivité, à un moment donné, il est parti pour vacances puis il est jamais revenu. C'est là, les patrons l'appelaient, tu reviens-tu au travail, puis il revenait pas. En 2004, Alain se retrouve officiellement sans emploi.
Il vit toujours seul avec sa mère Lucie, avec laquelle il est maintenant devenu tyrannique. Lorsque Lucie fait l'épicerie, Alain lui interdit d'acheter certains produits et la menace de faire une crise si elle ose transgresser ses ordres. Lucie a peur de son fils et obtempère pour éviter ses attaques. Alain se laisse de plus en plus aller et ne prend plus sa médication. Quand Lucie lui fait remarquer, il l'insulte. C'est impératif qu'une personne susceptible d'être violente en raison de sa maladie se voit imposer un traitement et, au besoin, un milieu de vie permettant d'assurer que le traitement est suivi. Beaucoup de patients qui souffrent de maladies mentales graves ont une réponse très intéressante à la médication, mais malheureusement ne réalisent jamais à quel point ils ont été malades. Alain devient violent avec Lucie. Elle se résout à appeler la police, mais pour le protéger, elle refuse finalement de porter plainte contre lui. Alors, ces gens, lorsqu'ils veulent cesser leur médication, si dans l'évolution de leur maladie, ils ont été violents, moi, je pense que la société, via les tribunaux, dans un processus ouvert, adversatif, est légitimé d'imposer un traitement à des personnes contre leur gré, permettant qu'ils ne passent pas leur vie en prison ou à l'hôpital, mais dans la société, avec l'obligation de recevoir leur injection ou d'avaler leur comprimé pour pouvoir fonctionner correctement. Alain va jusqu'à frapper sa mère. Lucie appelle encore une fois les policiers et Alain est conduit à l'hôpital, mais elle refuse toujours de porter plainte contre lui. Il y avait eu des voies de fait de la part de M. Piché sur sa mère et des menaces de mort. Alors là, les policiers ont fait une intervention, ont demandé les ambulanciers sur place. Et il lui a été conduit au centre hospitalier, où il a été vu par un psychiatre. Les policiers ont rencontré Madame par la suite et elle a refusé de porter plainte. Les policiers, ben, ce sont des protecteurs, ce sont nos anges gardiens, là, mais c'est pas des thérapeutes. Alors eux, ils vont ramasser quelqu'un là qui est en train de brutaliser une autre personne et ils décident, bon, on l'amène à l'hôpital. Et puis une fois à l'hôpital, s'il y a pas d'informations collatérales, si la victime potentielle est la première à revenir chercher sa progéniture, là, pour dire, bon, écoutez, je le ramène à la maison, c'est beau, c'est réglé, il le fera plus. Bon, c'est assez limité, là, les solutions qu'on a. Faut avoir de l'information. Isolé avec son fils, Lucie Fournier est confrontée à des menaces de mort. Elle sait que sa vie est maintenant en danger. Mais trouvera-t-elle la force de porter plainte contre son propre fils? Toi, il vit... La supervision des parents est suggérée. Alain Piché quitte son travail peu de temps après être diagnostiqué schizophrène. Incapable de se trouver un nouvel emploi, il vit seul avec sa mère Lucie, à qui il fait vivre des moments de terreur. L'étau semble se refermer sur Lucie. Alain ne prend plus sa médication et son état se dégrade de plus en plus. Il passe de longs moments à établir un plan pour se débarrasser de ses parents. L'individu ressent bien que quelque chose d'anormal est en train de se produire, qu'il ne réfléchit pas, qu'il ne réagit pas, qu'il ne ressent pas les choses comme auparavant. Puis, un jour, le patient croit trouver une explication à son désarroi. Et l'explication peut être une mission divine, peut être un voisin qui le persécute, peut être un poison qu'on a abominablement mis dans sa soupe, peut être une intervention des extraterrestres, un ressuscité. Enfin, les limites de l'esprit humain quand il s'agit de concevoir un délire sont assez vastes. Le mardi 20 mars 2007, Alain Piché est en plein épisode de délire. Il doit absolument couper les liens avec sa mère, qui est, selon lui, un frein
à la mission qu'il doit accomplir. Alain Piché croit en effet être l'élu d'une communauté de 500 000 habitants du sud de la France dont il doit sauver l'âme. Souvent, il y a une interaction tout à fait réelle. Les proches qui aiment la personne souffrante essaient d'imposer des limites à ces comportements qui peuvent être dérangeants, qui peuvent être gênants pour la famille, peuvent l'inciter à accepter un traitement que le patient refuse, et une escalade s'ensuit. C'est comme ça que beaucoup de gestes violents, plus ou moins sérieux, sont posés. En proie à des hallucinations persistantes, Alain passe à la première phase de sa mission divine. Au cours de la soirée du 20 mars 2007, Lucie se prépare à prendre sa douche. Alain s'approche alors lentement de la salle de bain. Si on se place dans la perspective du schizophrène qui est convaincu, comme je vous le disais, là, qu'il y a une invasion martienne qui s'en vient, qu'il y a les délires terribles d'un schizophrène, écoutez, si c'était notre réalité, je pense qu'on serait aussi angoissé que le schizophrène. Alain entre dans la salle de bain et sans hésiter, frappe sa mère à plusieurs reprises avec une hache. Lucie s'effondre, inanimée. Alain regarde le corps de sa mère sans manifester la moindre émotion. Il se dirige alors vers la cuisine et s'empare d'un couteau. Toujours délirant, Alain passe à la deuxième étape de son plan diabolique et décapite sa mère. Alain descend au sous-sol et vide le congélateur de son contenu afin d'y faire de l'espace pour placer le corps de sa mère. Alain remonte ensuite à l'étage. Il enroule le corps de sa mère dans une couverture et le descend au sous-sol. Le corps est lourd, mais Alain, en pleine crise de délire, voit ses forces décuplées. Alain est méthodique et agit avec sang-froid. Il place soigneusement le corps dans le congélateur, mais laisse le sac contenant ses vêtements à côté. Après avoir tué sauvagement sa mère, Alain Piché s'affaire à nettoyer les nombreuses traces de sang qui se trouvent dans la salle de bain. Le lendemain, Gaëtan Piché appelle à la maison plusieurs fois pour prendre des nouvelles de Lucie, mais personne ne répond. Gaëtan est inquiet, car Lucie n'a pas l'habitude de ne pas retourner ses appels. Il communique avec les policiers et leur fait part de ses inquiétudes. Il insiste même pour qu'ils effectuent une vérification sur place. Les policiers hésitent, mais les insistances de Gaëtan portent fruit. Il y a un policier qui s'est rendu sur les lieux à ce moment-là et qui a constaté que les voitures étaient là, mais il n'y avait pas de réponse. Et a donné un retour téléphonique à M. Piché. Le policier ne peut rien faire de plus. Gaëtan n'est pas rassuré
et décide d'aller vérifier de lui-même ce qui se passe à la maison familiale. Monsieur Piché a quitté la résidence pour se rendre sur la rue Milhaud, en autobus. Et par la suite, il n'a jamais retourné à la résidence. Les membres du personnel de la résidence où Gaëtan demeure s'inquiètent. Eux autres ont trouvé ça anormal parce que avec les années, ça fait quand même plusieurs années qu'il habitait à cette résidence-là, c'était jamais arrivé. Il allait passer les fins de semaine chez lui, mais jamais au milieu de la semaine, comme ça, il quittait là, puis il revenait pas. La disparition de Gaëtan Piché est rapportée à la police par l'établissement où il est traité. Le jeudi 22 mars, deux policiers se rendent à la maison de la famille Piché sur la rue Milhaud, mais personne ne répond à la porte. Les policiers sont retournés le 22 pour faire des vérifications, pour voir ce qui était passé avec M. Gaëtan Piché. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés à la résidence en obtenant pas de réponse. Les voitures, les deux voitures étaient encore dans l'entrée, c'est-à-dire celle du fils qui était Alain Piché et celle de la mère. Alors, on fait venir des serruriers sur place. Serrurier a ouvert la porte et les policiers sont entrés à l'intérieur. On fait des appels, voir s'il y avait quelqu'un. Ils n'obtenaient pas de réponse. Vérifier, les lieux avaient de l'air à l'ordre, c'était propre. Bien que les deux véhicules de la famille soient garés dans l'allée, personne ne semble être à l'intérieur de la maison. Intrigués, les policiers commencent leur fouille, loin de s'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Le 20 mars 2007, Alain Piché est en plein délire schizophrénique et décapite sa mère, Lucie Fournier. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa femme, Gaëtan Piché quitte sa résidence et part à sa recherche. Lorsque Gaëtan Piché arrive chez lui l'après-midi du mercredi 21 mars, personne ne semble être dans la maison. Mais Gaëtan tombe bien vite face à face avec Alain qui sort de la salle de bain. Il lui demande aussitôt où se trouve sa mère. Mais Alain fait la sourde oreille. Alain va chercher une hache au sous-sol. Lorsqu'Alain revient à la salle de bain, il se précipite sur son père et essaie de le frapper. Gaëtan résiste un moment, mais Alain finit par avoir le dessus. Il frappe son père violemment avec la hache. Alain décapite son père avec un étonnant sang-froid. Déshabille et le dépouille. Il décide de conserver son portefeuille et, plus curieusement, de s'emparer de son jonc de mariage. Il procède ensuite exactement de la même façon que lors du meurtre de sa mère. Il enroule le corps dans une couverture et le descend dans le débarras du sous-sol. Il semble savoir précisément ce qu'il doit faire.
selon le plan qu'il s'est établi. Il place le corps de son père dans le congélateur, où se trouve déjà celui de sa mère, et met ses vêtements tachés de sang dans un sac. Le lendemain, Alain achète des poignées à verrou. Il installe les nouvelles poignées sur les portes de la salle de bain et du débarras afin de cacher les traces de ses crimes. Alain dort quand deux policiers appelés pour la disparition de ses parents entrent chez lui et annoncent leur présence. Ils ont descendu à l'étage en bas pour voir s'il y avait des gens qui se trouvaient là. Et c'est là qu'ils sont venus à... Ils ont entendu M. Alain Piché leur répondre « Oui, oui, il y a quelqu'un, je vais me lever. » Il était couché dans sa chambre, M. Alain Piché. Il est venu à la rencontre des policiers, puis là, ils lui ont demandé est-ce que tu sais où sont tes parents? On les recherche. Ton père n'est pas à la résidence, et tout ça. Et monsieur a répondu non, je les ai pas vus. C'était des réponses incohérentes. Les policiers trouvaient que ça tenait pas debout, là. Qu'est-ce qu'il leur répondait? Alain somme les policiers de partir parce qu'ils n'ont pas de mandat. Mais devant la réaction étrange d'Alain, ils décident de pousser leur recherche. En fait, les policiers ont senti qu'il y avait quelque chose de pas normal, ont vu au sol des couvertures imbibées de sang, des restants au sol, là, on voyait qu'il y avait eu du sang là. Il y avait des vivres aussi qui avaient été sortis d'un congélateur puis qui étaient en train de dégeler au sol. Et ça a porté l'attention du policier sur le congélateur. Le policier a eu la présence d'esprit d'aller vérifier l'intérieur du congélateur. Et là, il a vu les deux corps qui étaient à l'intérieur du congélateur. Fait qu'à ce moment-là, les deux policiers ont procédé à l'arrestation d'Alain Piché. Quand la nouvelle sort dans les médias, c'est la panique sur la rue Milhaud. Tous les voisins sont consternés de voir qu'un crime aussi horrible ait pu se produire à côté de chez eux. J'ai même pas été capable de garer ma voiture. Et là, je vous jure, en deux temps, tout mouvement, il y a peut-être eu 6 médias d'information qui étaient sur les lieux. Il y avait un achalandage hors du commun sur notre rue et ça a perduré dans le temps, là, je vous dirais, des mois. Incarcéré en attente de son procès, Alain refuse catégoriquement de collaborer avec les enquêteurs. Monsieur Piché, dès son arrestation, a tout simplement exprimé rapidement l'intention de ne pas parler, de garder son silence tel qu'il était son droit. Ça fait combien d'années que tu habitais là? Non, j'embarque pas là-dedans. C'est juste des informations que j'avais. Non, j'embarque pas là-dedans. Pourquoi tu n'embarques pas là-dedans? Non, j'ai droit au silence. Ouais, t'as droit au silence? Ouais. Je te l'ai dit, t'as droit au silence? Oui. Je te demande des informations. Le silence, c'est tout ça. À partir de ce moment-là, jusqu'à temps, au moment de sa comparution, M. Piché n'a jamais parlé.
Et on a eu un enquêteur qui l'a rencontré, qui a procédé à un interrogatoire vidéo sur de longues heures. Et malgré tout ça, M. Pichet est resté de glace dans un calme olympien. Il n'a jamais, jamais dérogé du fait qu'il ne voulait pas parler. Confronté à la schizophrénie d'Alain Pichet, les enquêteurs doivent faire appel à des spécialistes pour le questionner correctement. Le psychologue judiciaire nous a aidés à structurer notre interrogatoire afin de pouvoir poser les bonnes questions, parce qu'une personne qui est en proie à une crise et sa maladie est présente, on peut pas interroger une personne comme ça de la même façon qu'on interroge un individu sain d'esprit. Et puis encore là, il faut faire attention, parce qu'une personne trop malade, hein, on pourrait pas se servir probablement des aveux de cet individu-là. Le peu de réponses que les enquêteurs soutirent à Alain les force à exploiter au maximum leurs connaissances en scène de crime. Premièrement, on n'a aucun témoin direct, donc aucun témoin qui ont vu vraiment les gestes qui ont été posés. On a une scène qui a été nettoyée de fond en comble. On a un suspect qui refuse de collaborer totalement. Et ce qui fait en sorte qu'on doit baser notre enquête seulement sur des faits techniques pour pouvoir être en mesure de pouvoir plus tard porter des accusations à l'endroit de M. Pichet. Le 4 juillet 2008, Alain Pichet est déclaré non criminellement responsable par le juge qui préside son procès. Une fois que la personne a été déclarée aliénée mentale par le tribunal, à ce moment-là, elle ne fait plus partie du système criminel ou carcéral. Elle est sous la juridiction de la commission d'examen des troubles mentaux qui doit décider qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là. Donc, est-ce que cette personne-là représente un risque important pour la sécurité du public? Alain Pichet est hospitalisé au Centre de santé et de services sociaux Sainte-Thérèse de Shawinigan. 4 mois plus tard, il repasse devant une commission d'examen. Donc, la commission doit, après des évaluations de psychiatres, décider si la personne représente un risque. Et là, peut décider que cette personne-là doit être détenue sans sortie ou peut être détenue, mais avec possibilité de sortie accompagnée du membre de l'hôpital, ou sortie non accompagnée, ou être en libération inconditionnelle. Malgré les 2 meurtres qu'il a commis, Alain Pichet est jugé apte à faire des sorties accompagnées. Puis, le 30 janvier 2009, il est finalement autorisé à faire des sorties non supervisées par le tribunal administratif du Québec. Les proches d'Alain Pichet sont sous le choc. Ben, je trouve que c'est très précipité. Je veux dire, l'évaluation, pour moi, l'évaluation est très brève pour l'instant. Lorsqu'ils vont le faire sortir, il n'y aura aucun mécanisme de prévu pour le contrôler, le forcer à prendre sa médication. Puis présentement, même les psychologues ou les psychiatres s'entendent pour dire qu'il en a besoin. Je plaidais à un moment donné qu'il était particulier et pu se présenter sur les lieux où il demeurait avec ses parents sans que la sécurité publique, soit le service de police de la ville, ait été avisé que monsieur était pour se présenter à cet endroit-là. Évidemment, on n'était pas devant un individu qui avait fait un vol à l'étalage. Donc, quelle est la réaction que cet individu-là aurait pu avoir en entrant dans le domicile où il avait tué ses 2 parents? Deux ans après avoir commis le double meurtre de ses parents, dont il a été déclaré non criminellement responsable, Alain Pichet est sur le point d'être remis en liberté. Mais la population s'y oppose. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Alain Pichet est hospitalisé depuis 6 mois pour avoir commis le double meurtre de ses parents, quand la possibilité d'être remis en liberté s'ouvre à lui. Qu'il y ait des sorties supervisées, passe encore. Qu'on me dise,
ultérieurement, par exemple, qu'il y aura possibilité de sortie non supervisée, là, le bas blesse. Parce que je vous dirais, moi qui sois toujours supervisée, c'est correct. Si quelqu'un s'occupe de sa médication, si quelqu'un supervise ses sorties, si quelqu'un s'occupe de lui, passe encore. Il a le droit à tout ce qu'un être humain a le droit, c'est-à-dire d'avoir tous les meilleurs soins possibles et auxquels on a droit. Si sa mère, qui s'en est occupée toutes ces années, a pas été capable de voir à sa médication ou de lui, c'est-à-dire, elle a dû voir à sa médication, mais de pas être capable de lui faire prendre, comment nous, voisins, comment nous, étrangers, serons-nous capables de le faire? Et qui va m'assurer, moi, comme voisine immédiate, que ce type-là va la prendre, sa médication? Ben là, je regrette. C'est là que je suis immensément inquiète. Les anciens voisins d'Alain Piché ne veulent pas le voir revenir et une pétition circule pour empêcher sa libération. Comme la couronne s'objecte elle aussi à la libération, un appel de la décision est demandé. Lors de la deuxième audition de la commission, lorsqu'on posait des questions à monsieur s'il y avait des éléments stresseurs, il n'y en avait aucun, même lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que le fait d'aller au domicile, à l'endroit où les délits s'étaient produits, est-ce que ça a été un élément de stress? Il a répondu non. Il a dit que la seule chose qui l'avait stressé, c'est avant de sortir, de se demander, il se demandait si sa carte de guichet automatique était pour fonctionner. Évidemment, ce que j'ai plaidé à la commission, c'est que par rapport au délit qu'il a commis, par rapport à aller au lieu, dire qu'il n'y avait pas de stress et s'attarder seulement à sa carte de guichet, ça démontre quelqu'un qui n'avait pas encore intégré la maladie qu'il a. En 2009, la Cour d'appel casse l'autorisation de sortie d'Alain Piché. Le 19 mars, il met le feu à un panier à linge de l'établissement où il est interné. Je l'ai accusé d'incendie en mettant en danger la vie, parce qu'évidemment, ça s'est fait sur l'étage où lui était résident. Il y avait d'autres personnes à cet endroit-là. Heureusement, il n'y a pas eu personne de blessé. Il y a eu une évacuation, mais il n'y a pas eu personne de blessé. C'est un incendie qu'il a allumé à l'intérieur d'une pièce attenante à une salle de bain. Il a allumé ça dans une malle à linge. Et heureusement, il n'y a pas eu de blessé, mais il a été accusé. Il y a eu un procès, il s'est défendu seul et il a été trouvé coupable. Le 11 septembre 2009, le tribunal administratif du Québec ordonne la détention stricte d'Alain Piché à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel. Ce qui est particulier, comme les membres de la famille l'ont dit, écoutez, il a tué son père et sa mère, on est prêt à le laisser sortir, il commet un incendie et là, il le considère dangereux. Sauf que c'est sûr qu'après avoir allumé l'incendie, c'est difficile de soutenir la thèse qu'il n'est plus dangereux. Ce que j'avais plaidé à l'époque, c'est qu'il a allumé l'incendie dans un lieu contrôlé. Il était dans un lieu contrôlé. Il a réussi à prendre un briquet qui était au bout d'une chaîne. Il a réussi à prendre du papier. Il a réussi à aller jusqu'à l'endroit et mettre le feu. Puis il était dans un endroit contrôlé, surveillé. Donc, imaginez s'il avait été en liberté. Je dois aussi me rallier à ce qui a été déterminé, mais en même temps, ça n'a pas de sens que nous, on ait à vivre tout le temps dans ce dilemme-là, parce que la justice a dit, à chaque année, on va le réévaluer. Je trouve que c'est aberrant. On avait l'impression qu'on avait été en mesure de prouver la culpabilité de M. Alain Piché, qu'on était en mesure même de prouver qu'il y avait une préméditation. Et comme humain, c'est sûr qu'on trouve dur le fait de savoir qu'il n'y aura jamais personne qui va être puni pour cet acte-là. Mais on comprend par la suite avec les rapports psychiatriques là, que c'est pas la place nécessairement de M. Piché là, dans une prison. Il faut qu'il soit traité. Il faut qu'il soit vraiment suivi. Vraiment suivi là, méticuleusement pour être sûr que ça ne reproduise jamais une affaire comme ça. Les personnes souffrant d'une maladie mentale ne représentent pas un plus grand danger que les autres membres de la société. Mais il est primordial d'encadrer leur traitement avec une grande vigilance afin d'assurer leur protection et celle de leur entourage. Si un tel drame se préparait dans votre entourage,
Sauriez-vous le voir venir? D'images d'archives, de reconstitutions précises et de témoignages troublants, replongés au cœur des plus ignobles crimes américains. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'aimerais que Jason m'explique qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi tu es arrivé jusque-là, qu'est-ce qui a fait que t'as touché le bas fond comme ça, c'était quoi ta raison? Mais quand on est rendu, qu'on est obligé de prendre une drogue pour éviter les effets secondaires de l'autre drogue, notre problème empire. Au départ, je pense qu'on faisait confiance aux enquêteurs, à l'enquête qui était menée. Puis on se disait, ils vont faire leur boulot, puis ce sont eux les professionnels, puis ils savent ce qu'ils ont à faire. Bien, on finit par se dire, dans le fond, que c'est un meurtre prémédité, mais qu'ils n'ont pas les éléments de preuve pour le prouver. Le matin du vendredi 22 octobre 2004, Jason Sean Fresco, 21 ans, et sa petite amie Geneviève, 20 ans, se promènent au centre-ville de Shawinigan. Ils vont rejoindre quelques amis. Un mois plus tôt, Jason a quitté l'appartement de sa sœur aînée à Montréal pour emménager avec Geneviève à Shawinigan. Mais la grande ville lui manque. Au début, il m'a pas appelé. C'est comme... Pour lui, c'était comme de prouver que oh oui, je suis indépendant. Okay, mais à un moment donné, ça a pris peut-être deux semaines, j'ai eu un coup de téléphone. Puis il me disait qu'il n'aimait pas ça là-bas, qu'il trouvait ça difficile, qu'il n'y avait pas d'emploi. En quittant le restaurant, le couple décide d'aller à Montréal visiter la grand-mère de Jason. Ils partent sur le pouce. Dès qu'ils arrivent à Montréal, Jason appelle sa sœur, Elena, pour qu'elle vienne les chercher. Dans ma tête, je me dis, je suis contente, mon frère est revenu. T'sais. Ça faisait un mois qu'il était parti, puis j'étais contente. Elena ramène Jason et son amie Geneviève à la maison et les garde à souper. En soirée, ils écoutent un film. Elena remarque la main blessée de son frère. Il y avait quelque chose à sa main. Il y avait comme une coupure où il y avait quelque chose à sa main. « Hey, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? » Puis il a dit, « Ah, j'ai un accrochage. » Elena ne s'en formalise pas. Après le film, ils vont tous se coucher. Il dort chez moi avec son ami. Et puis, le lendemain, il me dit, je vais appeler Daddy, notre père. Je vais appeler Daddy, puis il dit, il faut que je lui parle. Puis là, moi, dans ma tête, je me suis dit, ben parfait, il va aller voir pour des appartements, parce que c'était ça, tu sais, il se remet sur pied. Elena espère secrètement que Jason revienne vivre à Montréal. Le lendemain, le 23 octobre, elle laisse son frère vaquer à ses activités et elle quitte pour la journée. Jason téléphone à son père pour lui dire qu'il va passer le voir. Pendant ce temps, dans l'appartement de Jason et Geneviève à Shawinigan, un jeune garçon de 13 ans, dévêtu, gît dans la baignoire. Il est mort. Le 23 octobre 2004, Janine Millette est dans tous ses états. Son fils de 13 ans, Mathieu, a quitté la maison l'avant-veille en après-midi et il n'est toujours pas rentré. C'est un petit garçon qui était très sociable.
très humoristique. Il aimait l'humour ridicule. Il aimait faire des choses extrêmes, des sports extrêmes. Il était dans les cadets. Son rêve, c'était de devenir un soldat. Puis il tenait beaucoup à ça. Puis je pense qu'il l'aurait réalisé. Deux jours plus tôt, le 21 octobre 2004, Mathieu s'ennuie ferme à la maison. Mathieu voulait aller voir des amis. Puis il y avait un plâtre. Ça faisait deux jours qu'on était allé à l'hôpital. On avait fait mettre son bras dans le plâtre parce que son pouce était cassé. À ce moment-là, ben, il ne pouvait pas aller à l'école parce qu'il n'était pas capable d'écrire. Il n'était pas capable de rien faire. C'était sa main d'usage qui était dans le plâtre. Alors, il est parti pour aller voir des amis l'après-midi, mais c'est ça, il n'est jamais revenu. Depuis 48 heures, la mère de Mathieu n'a pas dormi. Et ce soir-là, j'étais quand même inquiète. Puis mon conjoint, ben, il ne voulait pas appeler la police tout de suite parce qu'il disait, de toute manière, ils vont nous dire d'attendre des causes ou que ça serait une fugue ou des choses de même. Alors, on a attendu un peu, puis on a cherché partout, dans toute la ville. Là, c'est sûr que la pression montait, hein, d'heure en heure. Veux pas, une maman, ça s'inquiète. Puis rendu là, c'était plus de l'inquiétude. Je peux même plus... J'ai plus le mot pour dire comment on se sent, là. Le 23 octobre au matin, le téléphone sonne chez le père de Jason. Monsieur Fresco prend l'appel et se réjouit d'entendre la voix de son fils. Jason lui demande s'il peut passer le voir. Monsieur Fresco accepte avec joie. Jason n'a pas toujours eu des relations simples avec ses parents. Les problèmes de Jason, je crois qu'ils ont commencé à moi, c'est quand il y a eu le divorce de mes parents. On est tous déménagés avec ma mère. Puis là, il y a eu des tensions dans la maison. Après le divorce, Jason et ses deux sœurs demeurent avec leur mère. Jason s'ennuie de son père qu'il voit peu souvent. Il voulait voir mon père, puis ma mère, elle avait dit non, pas pour l'instant, c'est trop tôt, tout est trop frais, reste ici, tu peux pas aller dormir chez ton père. Puis là, ils se sont comme un peu chicanés, veut pas. Puis je pense que c'est là que mon frère a sorti sa frustration. Malgré l'interdiction de sa mère, Jason décide d'aller dormir chez son père. Cette désobéissance est perçue comme de la provocation. Puis ma mère, elle a vu que mon frère pouvait avoir aussi des fois, il y a un mauvais caractère. Et puis ma mère a dit, pour l'instant, je peux pas dealer avec un enfant. T'as du caractère, t'es comme, tu peux pas rester ici. Ma mère, elle a pris les sacs, puis elle est allée porter les sacs chez mon père. Fait que tous les vêtements, mon frère était là. Petit à petit, Jason se désintéresse de ses études. Il commence à consommer de la marijuana. Elena, sa sœur aînée, fait tout ce qu'elle peut pour l'aider. Tous les vendredis, j'allais le chercher, je le ramenais chez moi, et le dimanche, j'allais leur conduire. Fait que c'est là qu'on passait plus de contacts ensemble, qu'on se voyait plus souvent. Et c'est là que j'ai peut-être détecté un peu que je voyais qu'il y avait des mauvaises fréquentations. Fait que j'essayais de l'aider, puis je disais, ben, tu sais, peut-être pour l'école, tu devrais aller en multimédia, tu devrais aller en informatique. Mais il n'est pas allé. Il n'est pas allé s'inscrire. Fait que mon père a dit, ben, si tu vas pas à l'école, il faut que tu fasses quelque chose. Fait qu'il dit, je vais trouver une job. Fait que c'est là que mon père est intervenu, puis il a trouvé un emploi pour qu'il puisse aller travailler. Monsieur Fresco achète même une voiture à son fils pour qu'il se rende au travail. Le temps passe. Au début de 2004, Jason travaille de moins en moins et consomme de plus en plus. Mon père avait donné un sumatum, je crois, soit qu'il allait à l'école où il travaillait ou il déménageait de chez mon père. Fait que j'étais dit, je peux le garder chez moi le temps que tu trouves quelque chose pour te replacer. Fait qu'il était demeuré, il travaillait, il s'était trouvé un emploi. Jason s'installe chez sa sœur, mais il continue à s'exposer à de mauvaises influences. C'est à ce moment-là qu'il s'est dirigé vers les gangs et que les mauvaises influences ont pris plus d'importance et que c'est ça qu'il a investi. Il y a des périodes où on peut être plus vulnérable et où l'attrait de ces gangs-là peut être plus important et c'est là qu'on peut glisser. Le samedi 23 octobre 2004, Monsieur Fresco se réjouit de la visite de son fils. Jason arrive seul, sans Geneviève qui est restée chez Elena. Il a quelque chose de difficile à lui avouer. C'est à ce moment-là que Monsieur Fresco se rend chez son père et qui lui avoue avoir commis un meurtre à Shawinigan.
Jason raconte à son père les circonstances de son crime. Il ne lui cache rien. Il termine en disant que le corps de sa victime, un jeune homme de 13 ans, est encore dans la baignoire de l'appartement de Geneviève à Shawinigan. Et puis mon père a dit, tu t'en vas appartenir, tu t'en vas dire ce qui est arrivé et tu vas te rendre. C'est la seule affaire que tu dois faire. Sans hésiter, M. Fresco contacte les policiers. Il s'informe de la marche à suivre pour que son fils se rende par lui-même. Les policiers du district Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides ont été mis au courant suite à un appel du père de Jason Fresco qui voulait avoir des renseignements parce que son fils lui avait avoué avoir commis un crime grave. Alors le chef d'équipe aux télécommunications lui a donné les renseignements et monsieur lui a affirmé qu'il se rendrait au poste de la Sûreté du Québec à Mascouche pour une rencontre avec les policiers. Samedi le 23 octobre 2004, en fin de journée, Jason Sean Fresco se livre aux policiers. Quelques heures plus tard, Elena rentre chez elle. J'avais des commissions, j'avais une fête, fait que j'ai pas passé vraiment la journée là, je suis partie, et puis je suis revenue tard le soir, vers 11h30, minuit. Dès qu'elle entre dans la maison, le téléphone sonne. Elle est surprise d'avoir un appel à une heure aussi tardive. Elle s'empresse de répondre. Elena apprend que son petit frère Jason aurait commis un meurtre. C'est comme... Tu penses même pas que ça se peut, parce que tu te dis, voyons donc, c'est mon frère, le petit gars qui est comme... Tu sais, le petit geek qui est dans sa chambre, qui est tranquille, qui dit jamais vraiment un mot. Tu sais, on se dit, voyons donc, ça se peut pas, là, c'est mon frère. Je peux pas croire qu'il peut arriver un enfant de même. Geneviève, la copine de Jason, est toujours chez Elena. Celle-ci la bombarde de questions. Geneviève reste évasive. Elle pleurait, puis tu sais, c'était comme, j'étais pas capable d'en savoir. J'avais beau y dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce temps, des patrouilleurs se rendent à la résidence de Geneviève à Shawinigan. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau chez Elena. J'ai eu un appel à ma mère qui me disait qu'elle avait eu des nouvelles de ce qui est arrivé avec mon frère, puis que mon frère est arrêté. Puis elle m'avait dit, tu sais que la police va sûrement venir à la maison, assure-toi que l'ami Jason reste à la maison. Puis à 5 heures du matin, la police est venue. Ils sont venus la chercher. Puis justement, elle a pleuré. Puis ils ont dit, on a besoin d'elle au poste de police. À Shawinigan, les enquêteurs dépêchés à l'appartement de Geneviève découvre le corps nu d'un adolescent dans la baignoire. Dans un sac, il trouve des vêtements imbibés de sang et des papiers d'identité au nom de Mathieu Millette. Madame Millette attend toujours des nouvelles de son fils. Elle a passé la journée à faire des appels pour retrouver Mathieu. Quand elle apprend que celui-ci ne s'est pas présenté à sa réunion de cadets au manège militaire, son inquiétude se transforme en panique. Mathieu adore ses rencontres. Il faut que quelque chose de grave soit arrivé pour qu'il n'y soit pas allé. Que s'est-il passé dans le modeste appartement de Geneviève à Shawinigan? Quand la mère de Mathieu apprendra-t-elle l'horrible nouvelle? Le samedi 23 octobre 2004, Jason Sean Fresco, un jeune homme de 21 ans, reconnaît avoir tué Mathieu Millette, un adolescent de 13 ans, et avoir laissé son corps dans la baignoire d'un logement à Shawinigan. Ce n'est que le lendemain matin que la mère de Mathieu reçoit enfin des nouvelles de son fils, disparu depuis 3 jours. Le matin du 24 octobre 2004, il y a 4 hommes là, en habit et en cravate qui sont venus sonner à ma porte, me demander là, si j'avais un fils qui s'appelait Mathieu, et puis je dis oui. Mais là, en les voyant, je me suis dit c'est passé quelque chose. Là, je suis venue complètement bouleversée. Puis là, il y en a un qui me dit « Votre fils est décédé ». Fait que là, à ce moment-là, c'est comme le sang ne circule plus dans mon corps. On se sent vraiment mourir. C'est
complètement ça. C'est comme si la vie est partie. Mathieu est le fils unique de Jeannine Millette. Il est sa joie et sa fierté. Jusqu'à tout récemment, Mathieu n'a jamais donné de soucis à sa mère. Par contre, au début de l'année scolaire 2004, Mathieu frappe un camarade qui, supposément, le harcèle. Il est suspendu de l'école pour quelques jours, mais comme il ne remplit pas son carnet de conduite, l'école maintient sa suspension. Il semble aussi avoir fait preuve d'insubordination envers un professeur, si bien que le comité de discipline de l'école doit le rencontrer. À Shawinigan, une ville de 50 000 habitants, il y a peu d'activités et de distractions pour les adolescents. Les jeunes se tiennent en groupe et se cherchent des lieux pour se rencontrer. L'un de ces lieux est l'appartement du frère de Geneviève, la copine de Jason. La porte est toujours grande ouverte. Monsieur Millette était un adolescent de 13 ans. Il ne fréquentait plus l'école à temps plein. Alors, il fréquentait, par contre, le milieu des stupéfiants. Mais c'est un petit peu nébuleux. Qu'est-ce qu'il faisait de ses journées-là? Le locataire principal était un jeune de 17-18 ans. Alors, il y avait beaucoup d'autres jeunes. Mathieu était peut-être le plus jeune, 13 ans. Mais il y avait des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Un bon groupe de jeunes qui se tenaient là régulièrement. C'était risqué pour eux, mais je pense pas qu'aucun jeune ne le percevait. Et je pense pas que les parents pouvaient nécessairement le percevoir, parce que quand ton garçon ou ta fille de 14, 15 ans, 16 ans te dit « Mais je m'en vais chez des amis ce soir », ben, tu te dis pas « Est-ce qu'il est en danger ?» Pourquoi des jeunes adultes début vingtaine se tiendraient avec des adolescents, je dirais même préadolescence, 12-13 ans, ça doit nous questionner. Souvent, c'est des gens, on va le voir, qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin de faire affaire avec des gens plus vulnérables, qui vont plus facilement, j'ai envie de dire, impressionner, de qui ils peuvent facilement être le héros. Au début du mois d'août 2004, une nouvelle locataire débarque dans le logement de Shawinigan, Geneviève. Elle a décidé de quitter son appartement de Trois-Rivières pour venir s'installer avec son frère. Quelques semaines plus tôt, Geneviève a fait la connaissance de Jason Sean Fresco. En début d'été, à Saint-Eustache, par hasard, ils se sont connus dans un terminus d'autobus. Et leur relation a débuté comme ça. J'ai rencontré sa copine un dimanche après-midi. Jason, il m'appelle, puis il me dit « Ah, oh, il pleut, tu peux-tu venir me chercher? » Elena va chercher son frère pour le ramener chez elle. Elle est surprise de le trouver accompagné d'une jeune femme. Il ne lui a jamais parlé d'elle. Je lui ai demandé, j'ai dit, où tu restes à Montréal? Je vais aller te reconduire. Puis Jason me disait, elle demeure pas à Montréal. Il dit, elle vient de Trois-Rivières. Puis là, j'ai dit, ben, comment tu fais pour te rendre là si t'as pas de transport? Fait que là, il dit, ben, elle fait du pouce pour aller à Trois-Rivières. J'avais pas une bonne impression. Je sais pas si je vous dis ça, là, mais j'ai vraiment eu comme un frisson. J'ai eu un frisson dans le dos qui m'a passé. Ça se peut que cette conjointe-là ait été pour lui une bouée de sauvetage, qu'il l'ait investi énormément, qu'il a peut-être vécu une passion importante pour cette personne-là. Ça, c'est très, très possible. Mais à ce moment-là, c'est comme si on avait tous nos œufs dans le même panier et on devient très, très dépendant de cette personne-là. Avant d'aller les reconduire près de l'autoroute 40 pour qu'ils s'en retournent à Trois-Rivières sur le pouce, Elena prend son frère à part. J'ai parlé avec mon frère de son ami, et puis je lui disais, je sentais pas une bonne affaire avec elle. Je me disais, mais semble qu'il y a quelque chose de pas correct. Je sais pas, mais je devrais pas la fréquenter. J'aime pas. Tu sais, j'aime pas. Puis il me dit, ah, tu sais pas, t'en connais pas. Le lendemain de son arrestation, le 25 octobre 2004, Jason Sean Fresco comparaît au palais de justice de Shawinigan. Geneviève a affirmé aux policiers qu'elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé durant la soirée du 23 octobre. Elle est donc relâchée. Monsieur Fresco a comparu sous une accusation de meurtre au deuxième degré. À ce moment-là, il a été détenu jusqu'à son enquête de remise en liberté qui s'est tenue le 21 juin 2005. La caution de Jason Sean Fresco est fixée.
Son père consulte Elena et il décide qu'une remise en liberté bien encadrée est ce qu'il y a de mieux pour Jason. Monsieur Fresco débourse 2 000 $ et s'engage pour un montant additionnel de 10 000 $. Elena accepte de prendre son frère chez elle. Jason est libéré, mais il a de nombreuses conditions à respecter. Dont celle de ne pas entrer en communication avec les témoins de la cause. Il devait suivre une thérapie et il devait demeurer à une adresse qu'il a donnée, qui se trouvait être l'adresse de sa sœur. Il suivait bien les règles, tout était correct. Il y avait un couvre-feu qui devait rentrer à une telle heure. Bon, il y avait des trucs à respecter, puis c'était correct. Puis Jason, ben, il s'était trouvé un emploi dans un shipping. Puis il était correct avec ça, tu sais. Puis ça lui faisait un petit peu d'argent, puis bon, des trucs comme ça pour s'acheter des trucs informatiques. Puis tout allait bien, sans histoire. Durant les premiers mois, le jeune homme suit une thérapie. Il semble décidé à prouver à tout le monde qu'il est sur la voie de la réhabilitation. Tout laisse croire qu'il a coupé les ponts avec Geneviève. À un moment donné, il me dit, j'ai besoin des sous. Là, il dit, j'ai pas eu ma paye encore, et tu voudrais-tu me prêter des sous? Ou... Fait que là, j'ai dit, ben oui, oui, il n'y a pas de problème. Je vais à la banque, mais je dis, tu sais, ça, c'est l'argent de mon loyer. Fait qu'il m'a dit, oh, il n'y a pas de problème, je vais te le remettre. Puis finalement, on est allé à la banque ensemble, puis je lui ai donné des sous. Puis là, lui, il a dit, OK, ben on se voit tantôt. Jason part de son côté, tandis qu'Elena retourne à l'appartement. Le soir venu, Jason n'est toujours pas rentré. Elena a confiance qu'il respectera son couvre-feu, d'autant plus qu'il doit se présenter à la cour le lendemain matin, 2 septembre 2005. Elle va se coucher sans l'attendre. Quand je me suis réveillée, que j'ai vu qu'il n'était pas dans le salon. Fait que là, j'ai dit, ah! Fait que là, il y avait un... Le couvre-feu n'avait pas été respecté, puis j'ai dû appeler la police pour dire, ben là, Jason n'est pas rentré. Les enquêteurs hésitent à révéler à Mme Millette que Jason est en fuite. Les enquêteurs me l'ont pas dit sur le coup parce qu'ils savaient que, bon, là, je paniquerais peut-être. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, je suis devenue très anxieuse, oui, justement. On le laisse quitter, on le laisse en liberté pendant les procédures. On l'oblige à suivre une cure de désintoxication 3 mois. Il a suivi sa petite cure. Qu'est-ce qu'on apprend quelques semaines plus tard? Et la police me téléphonait à l'occasion pour savoir si j'avais des nouvelles de Jason, puis je leur disais non. Puis ils disaient, est-ce qu'ils vous envoyaient un courriel? Parce que, vous savez, on peut retracer les courriels, de la provenance. Puis je disais, non, j'ai pas rien, j'ai aucun contact de Jason. Puis finalement, je leur ai dit. J'ai dit, j'ai quelque chose en arrière de la tête. Je vous dis à la police que si vous trouvez son ami à lui, j'ai dit, peut-être que vous allez trouver lui. Dans les jours qui suivent, les policiers découvrent que Geneviève manque elle aussi à l'appel, et ce, depuis environ la même date que Jason. Il devient de plus en plus évident qu'ils ont concocté un plan pour s'enfuir ensemble. La famille Millette s'inquiète des représailles, et la mère de Mathieu se demande si les policiers parviendront à retracer le présumé meurtrier de son fils. Justice sera-t-elle rendue pour la mort de Mathieu? Le 24 octobre 2004, le corps du jeune Mathieu Millette, 13 ans, est retrouvé nu dans la baignoire d'un appartement de Shawinigan. C'est là qu'il a fait la connaissance de son meurtrier, Jason Sean Fresco, âgé de 21 ans. Cet appartement est occupé par Geneviève, la copine de Jason et son frère. Mais il est fréquenté par les jeunes de la petite ville. La blonde de Jason Sean Fresco est venu habiter à cet endroit-là avec son frère. Puis Mathieu connaissait son frère. Il y a beaucoup d'enfants qui allaient là, dont des jeunes de l'école secondaire qui connaissaient Mathieu, que Mathieu fréquentait à l'école, qui se tenaient tout là en gang. Puis c'est comme ça que Mathieu a rencontré la blonde de Jason Sean Fresco. On n'en sait pas plus. On sait que c'était des connaissances, mais on ne peut pas savoir exactement la relation exacte. Chose certaine, Mathieu passe beaucoup de temps à l'appartement de Geneviève et de son frère. C'est sûr que le fait de fréquenter, pour un jeune comme Mathieu Millet, fréquenter des gens
beaucoup plus âgé que lui, ben, lui donne des idées de personnes plus vieilles également. Là. Selon la version de M. Fresco, Mathieu Millette lui avait dit qu'il avait 16 ans alors qu'il avait 13 ans. À cette époque, Geneviève vient régulièrement à Montréal passer du temps avec Jason. Elena commence à trouver que la jeune femme prend beaucoup de place dans sa vie et celle de son conjoint. Elle venait beaucoup chez nous. Puis à un moment donné, ben, mon salon s'était rendu comme une chambre d'hôtel. Là. Et puis c'est là qu'à un moment donné, mon conjoint, dans le temps, et mon frère, ils ont eu comme une discussion. Puis ça a comme pas bien tourné. Et c'est là mon frère a dit « je m'en vais ». Il dit « je me sens pas bienvenue ». Jason décide de déménager. Et mon frère faisait ses valises, puis j'ai dit « ben, tu t'en vas ». Il dit « je me suis chicanée avec ton chum, puis je m'en vais à Trois-Rivières ». Puis j'ai dit qu'il était pas obligé de partir, qu'il pouvait rester, que lui, je l'accueillais. C'était mon frère, mais qu'elle, je la voulais pas chez moi. Elena accepte d'aller le reconduire chez Geneviève, mais elle a un mauvais pressentiment. Je tremblais, j'avais des frissons, je vous le dis, il y avait quelque chose qui me disait que c'était comme pas correct, que ça allait là-bas. Qui devait rester ici, avec moi. Puis je me souviens ce soir, rendu là-bas, puis je disais, t'es pas obligé. Tu peux t'en retourner à Montréal avec moi, t'es pas obligé de rester ici. Il a dit, non, mon choix est fait. Je vais rester ici, puis je vais m'arranger. Le début de leur relation en appartement a débuté le 27 septembre 2004. Et c'est à ce moment-là que leur relation a commencé à être plus sérieuse. Influencé par Geneviève et l'ambiance générale de l'appartement, Jason consomme de plus en plus. La marijuana est accompagnée de drogues plus costaudes comme la cocaïne. On parle d'individus qui, à ce moment-là, dans leur vie, il n'y a pas beaucoup de repères qui tiennent. Là. Deux individus qui consomment de la drogue, deux individus qui sont en marge de la société, l'influence qu'ils vont avoir un sur l'autre, ce serait difficile d'imaginer qu'un des deux va s'en sortir comme ça. Là. C'est plutôt de partager le malheur. Là. Le couple avait une problématique de consommation de drogue régulière, consommait cocaïne, de la pinotte et de la marijuana. Mathieu était rendu dans quelque chose qui était beaucoup plus gros que lui. Est-ce que Mathieu a vu des choses? Est-ce qu'il a entendu des choses? De gens qui étaient dans le milieu de la drogue? Non, le couple n'était pas vraiment connu du milieu policier. Par contre, eux fréquentaient des gens dans le milieu criminel pour obtenir leur drogue, mais ils n'étaient pas connus du milieu policier de Shawinigan. En septembre 2005, un peu moins d'un an après le meurtre, les policiers cherchent activement Jason et Geneviève, partis en cavale. Au même moment, à l'autre bout du pays, à Banff, en Alberta, deux jeunes Québécois débarquent. Il s'agit bien du couple recherché. Le jeune homme se trouve un emploi comme cuisinier dans une chaîne de restauration rapide, mais travaille sous une fausse identité. Il profite de la vie agréable de cette station touristique très fréquentée. Ils sont persuadés d'avoir laissé leur passé derrière eux. Suite à l'enquête policière, nous avons localisé M. Fresco dans l'Ouest canadien, en Alberta. Alors, à ce moment-là, nous avons rencontré un procureur des poursuites criminelles et pénales afin qu'ils émettent un mandat pan-canadien, un mandat d'arrestation. Lorsque ce mandat-là a été émis, le mandat a été transféré aux autorités de l'Alberta, qui, eux, ont procédé à l'arrestation de Jason Fresco. Suite à cette arrestation-là, M. Fresco a dû comparaître dans la province de l'Alberta. Et par la suite, nous, les policiers du Québec, nous sommes allés le chercher directement aux autorités de l'Alberta. Le 13 septembre 2005, Jason Sean Fresco est à nouveau mis en état d'arrestation. Cette fois encore, aucune accusation n'est portée contre Geneviève. Les conditions s'appliquaient à M. Jason Fresco seulement. Alors, Madame ne pouvait pas être accusée d'être en compagnie de M. Fresco, mais M. Fresco, lui, étant donné qu'il était sous une ordonnance, sous engagement, lui pouvait être accusé. Et d'ailleurs, il a été accusé.
débris de conditions. Là, je me suis dit, c'est toi, tu t'es puni toi-même parce que là, le juge, il te fait plus confiance. Puis tu vas rester en dedans jusqu'à ton procès. Je dis, là, tu travaillais, tu avais une certaine liberté, tu avais quand même quelque chose de bien. Cette fois, Jason Sean Fresco est incarcéré en attendant son procès. La famille de Mathieu espère qu'il va enfin répondre de ses actes pour le meurtre de l'adolescent. Après sa tentative de fuite ratée, Jason Sean Fresco fait enfin face à la justice pour le meurtre du jeune Mathieu Millette. Il n'a jamais dérogé à la version des faits qu'il a donnée aux policiers lors de son arrestation en 2004. Cet après-midi-là, Jason Sean Fresco, il a appelé au 911 pour dire qu'il y avait des rôdeurs. Puis, il a demandé aux policiers de ne pas aller sur les lieux. Il a dit « Venez pas, venez pas ». Selon la version de Fresco, ce jour-là, le 21 octobre 2004, le couple consomme beaucoup. Et cette journée-là, ils ont consommé abondamment. Ils ont pris leur souper. Et après le souper, ils ont reconsommé de nouveau des stupéfiants. Madame a consommé du speed, de la pinotte, et monsieur a consommé de la cocaïne. Quelques heures auparavant, Mathieu quitte son domicile à vélo pour aller voir des amis. Madame Millette croit qu'il veut en profiter pour récupérer un marteau qu'il dit avoir prêté à un copain. Toujours selon Fresco, après le souper, Geneviève et lui se dirigent vers la chambre à coucher. Ils se mettent au lit. Et c'est à ce moment-là que, peu de temps après s'être couché, ils ont entendu un bruit venant de la porte avant du logement. C'est sûr que si on est fortement intoxiqué, on peut devenir paranoïde. On peut avoir l'impression qu'on est menacé et qu'on a besoin de se défendre. Ça peut même aller jusqu'à si on se défend pas, c'est notre vie qui est en danger. Donc, il faut absolument se défendre. Ça peut créer ce genre de confusion-là. Et M. Fresco s'est levé, est allé vérifier dans le corridor qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'il a aperçu un individu. M. Fresco nous dit qu'un individu se dirige en sa direction avec un marteau dans les mains. Lui, il dit que Mathieu avait un marteau dans les mains, mais il dit qu'il faisait tellement noir qu'il ne voyait rien, fait que je me demande comment il aurait pu faire pour voir un marteau. Puis, ça aurait pu être son plan. Fresco prétend qu'à la vue de l'intrus, il a paniqué. Dans le noir, sous l'emprise de drogues puissantes, il cherche une arme pour se protéger. J'ai jamais cru que Jason Sean Fresco était en légitime défense quand il a attaqué mon fils. Mathieu, premièrement, ben il avait un bras dans le plat, qui était pas capable de se défendre, puis encore moins d'aller attaquer quelqu'un. On va pas faire un crime quand on est handicapé de notre bras d'usage, premièrement. Mais deuxièmement, c'est que c'était pas du tempérament à Mathieu non plus d'aller attaquer des adultes. Il avait 13 ans. Puis c'était un non-violent. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu l'extincteur. Alors, il s'est empressé de le prendre. Et lorsqu'il s'est tourné de bord, selon toujours sa version, l'individu était rendu près de lui avec le marteau dans les mains et s'apprêtait à le frapper. Alors, c'est lui qui a frappé en premier et à plusieurs reprises avec l'extincteur. L'agresseur n'aurait pas reconnu la personne, se serait senti menacé, se serait senti obligé de se défendre, n'aurait même pas laissé parler la personne et il l'aurait frappé jusqu'à temps qu'elle ne bouge plus. Oui, peut-être que là, il y a une perte de contact avec la réalité qui reste à déterminer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une intoxication volontaire, donc que la personne doit assumer les conséquences de ce qu'elle fait par la suite. Fresco frappe l'intrus à coups répétés. On peut pas déterminer le nombre exact de coups, mais l'autopsie démontre qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs coups à la tête et plusieurs coups, ce qu'on appelle des plaies de défense, sur les bras, les avant-bras. Qu'est-ce qu'un adolescent de 13 ans faisait dans cette maison-là? Est-ce qu'il est entré par effraction ou pas? Est-ce qu'il avait vraiment un marteau dans les mains? Pourquoi il était là? Pourquoi la personne, en l'apercevant, l'a pas reconnu? C'est quelqu'un qu'elle connaissait. Pourquoi elle lui a pas parlé? Pourquoi il y a personne qui a rien dit? Le bruit aurait pu alerter Geneviève, mais elle reste dans la chambre.
De ce qu'on a comme information, c'est très étrange, puisque la conjointe de l'agresseur serait même pas sortie de la chambre. Elle aurait même pas su qui était agressé et de quelle façon ça se produisait. C'est assez étrange, parce que si notre conjoint est en train de se battre avec quelqu'un, il y a peut-être de la difficulté ou quoi, c'est évident que le réflexe, c'est d'aller voir pour lui venir en aide. Ça aurait été le réflexe. Donc, plutôt quelqu'un qui est passif et qui serait même pas sorti de la chambre pour se renseigner, voir ce qui se passe. Écoutez, c'est même difficile à croire. Elle n'a pas porté secours à Mathieu. Puis, si elle l'aurait fait, si au moment du meurtre, elle aurait pu appeler le 911 à vitesse, peut-être que Mathieu aurait pu être sauvé. Il aurait peut-être eu un traumatisme crânien, mais il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Mathieu Millette gît sur le sol. Du sang s'écoule de son crâne. Et suite à ça, M. Fresco amène le corps dans le bain, le déshabille, met le linge dans un sac, pack-sac, dans la chambre. Linge qui contient le portefeuille de la victime avec les pièces d'identité. Et il fait le ménage pour enlever le sang aux endroits où il en a trouvé, dans la cuisine et dans la salle de bain. C'est une décision qui a été prise. Ils ont laissé cette personne-là dans le bain. Est-ce que c'était dans le but de réfléchir à ce qu'il allait faire, comment il allait s'en sortir de cette situation-là? Est-ce qu'il se sentait coupable puis ils se sont dit on évite plus de troubles en essayant de maquiller tout ça et de le cacher que de le déclarer? C'est probablement le raisonnement qu'ils ont tenu. C'est une des plus grandes douleurs qui me reste de cet événement-là. C'est le fait que Fresco ait déshabillé complètement Mathieu, qu'il l'ait mis dans le bain pour nettoyer la pièce avant de quitter les lieux. Je me suis toujours dit pourquoi? Pourquoi il l'a déshabillé? Suite à l'événement, le couple s'est couché. Le couple met ça sur le stress, encore une fois. Par contre, ils n'ont pas appelé la police, n'ont pas appelé les services d'urgence, les ambulanciers. Ils étaient démunis devant cette situation-là. Le couple ne dort pas du reste de la nuit. Au matin, ils vont rejoindre des amis comme si de rien n'était. Puis, ils font du pouce jusqu'à Montréal. Deux jours plus tard, Fresco se rend à la police. La famille de Mathieu Millette remet en question le récit de Jason Sean Fresco, notamment lorsqu'il affirme que Mathieu serait arrivé en intrus. Il compte sur le procès de Fresco pour savoir ce qui s'est réellement passé. Arrêté le 13 septembre 2005, après une fuite qui l'a mené jusqu'à Banff, en Alberta, Jason Sean Fresco va enfin subir son procès. Malheureusement pour la famille Millette, Fresco décide de plaider coupable. Dans le présent dossier, il y a eu une négociation entre le directeur des poursuites criminelles et pénales et l'avocat de défense. Et eux se sont entendus sur un chef d'accusation moindre, c'est-à-dire, au lieu d'être meurtre deuxième degré, c'était réduit à homicide involontaire. De cette façon-là, ben, le procès a été évité. Il n'y a pas eu de procès. Donc, plusieurs éléments qui auraient pu sortir au procès n'ont pas sorti. La procureure de la Couronne et notre inspecteur décident que il y aura entente avec la partie adverse et ils vont finalement lui demander de plaider coupable pour homicide involontaire. Alors nous, on était certains qu'il était question d'un meurtre prémédité. Alors comme victime, on s'est dit bon, on va y aller avec une demi-mesure. Le fait qu'il a plaidé coupable, là, c'est sûr que lui, il voulait pas revivre le procès. Il voulait pas se rembarquer dans ça, de tout raconter ça encore. Il se serait peut-être mêlé dans ce qu'il avait dit au début. Je crois que ça cache beaucoup de choses. Les Millette sont scandalisés par la tournure des événements. Ils ont le sentiment qu'aux yeux de la justice, la victime compte moins que le criminel. On a été privé d'informations. On n'a pas eu le droit d'avoir accès à l'enquête de police. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'avais déjà fait une demande selon la loi de l'accès à l'information, mais on m'a dit que je pouvais pas. Lors de l'enquête préliminaire, je vois
Fresco qui est interrogé dans les premières heures après qu'il ait été arrêté, habillé de coton ouaté avec une grosse capuche par-dessus la tête. Et je le revois ensuite se présenter devant le juge en veston-cravate. Un petit peu de gel. Ça m'apparaissait comme une mascarade. Une autre question hante la famille de la victime. Pourquoi Geneviève n'a-t-elle jamais été accusée de complicité? J'ai demandé à la procureure de la Couronne pourquoi il n'y avait pas d'accusation de portée contre elle. Et puis, on m'a dit que ça ne valait quasiment pas la peine parce qu'elle pouvait venir à la cour puis dire n'importe quoi. Puis qu'à ce moment-là, elle s'en tirerait trop facilement. Que ça ne valait pas la peine de porter des accusations. Une négociation de plaidoyer, communément appelée plea bargaining, semble avoir été adoptée. Les parties se seraient entendues pour ne pas porter d'accusation contre Geneviève, en échange de l'aveu de culpabilité de Fresco. Et c'est la responsabilité du procureur de la poursuite de prendre ses responsabilités et d'expliquer pourquoi ça serait mieux le plea bargaining, d'expliquer les raisons, pourquoi ils vont accepter un plea bargaining. Mais exemple comme raison, écoutez, j'ai plus de preuves contre l'un que contre l'autre. Pourquoi je serais pour le plea bargaining? Bien, j'ai peur d'échapper l'autre. Il manque un peu de preuves ou beaucoup de preuves dans un cas par rapport à l'autre. Alors, c'est une des raisons pourquoi il y a eu du plus bargaining aussi. Si on se pose la question, est-ce que c'est plus les hommes que les femmes qui vont prendre la responsabilité d'un acte illégal? La réponse, c'est oui. C'est clair qu'on peut avoir l'impression qu'une injustice ici, où quelqu'un a tout écopé à la place des deux. Par contre, l'agresseur, c'était l'homme, et celui qui ne pouvait pas s'en aller, c'était lui. Donc, la justice, c'est lui qui a mis de l'avant. Geneviève témoigne lors des représentations sur sentence. Selon son témoignage, elle disait que Mathieu était arrivé comme un voleur, puis elle a mentionné aussi à M. le juge que c'était un drogué, qu'il venait prendre de la drogue avec elle, puis c'est complètement faux. On a essayé de faire passer Mathieu pour un drogué, alors que l'autopsie a bien révélé qu'il n'y avait pas de substance dans son corps. On a essayé de le faire passer pour un voleur, en disant qu'il était entré par effraction chez les criminels. Et lors de l'enquête préliminaire, les policiers ont très bien démontré qu'il n'y a eu aucune trace d'effraction, ni par la fenêtre, ni par la porte. Le 7 novembre 2005, Jason Sean Fresco reçoit sa sentence pour l'homicide involontaire de Mathieu Millette et son bris de condition. Il est condamné à 9 ans de pénitencier. L'avocat de Fresco en appelle de la sentence, considérant que le juge aurait dû tenir compte de la détention préventive. Le 24 février 2006, Fresco voit donc sa sentence réduite de 11 mois. La chose qui m'a vraiment frappée, c'est la jurisprudence. Un mot qui maintenant vraiment là, me donne envie de vomir. Parce que l'avocat de la défense amène devant le juge des causes qui sont pas du tout du même ressort que celles qui nous concernent. Et à partir de ça, on établit une durée de la sentence. C'est sûr, eux autres, ils ont perdu un membre de leur famille, ils ont perdu leur enfant, ils ont perdu leur petit-fils. Puis, un moment donné, j'ai dit à mon frère, « Faut que tu vois qu'eux autres, ils ont perdu quelqu'un. » Puis, si un jour ça t'arrivait, j'ai dit, « Tu vas voir la réaction que tu pourrais avoir. » J'ai dit, « Oublie jamais ça, là. » J'ai dit, « C'est quand même une vie qui est partie, là. » Jason Sean Fresco a été emprisonné en septembre 2005. En 2009, la cour lui a accordé la permission de sortir 3 jours par mois sans escorte. Aujourd'hui, il est libre. Le fait d'être détenu, d'être éloigné, d'être forcé à réfléchir, parce que quand on est retiré de la société, on n'a pas le choix de poser un regard sur nous. Si c'est utilisé à bon escient, les gens peuvent cheminer dans ça. Si c'est utilisé juste à ruminer de la colère et la vengeance, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment ce que les gens vont en faire. Aujourd'hui, mon frère, il travaille, il mène sa petite vie, puis elle aussi, elle travaille. Je veux dire, je pense que c'est des gens sans histoire, ils font chacun leurs petites affaires. Pour l'instant, je me dis, oui, ça va bien, mais...
sais, jusqu'à quand? Pour savoir ce qui s'est réellement passé dans l'appartement de Shawinigan, la justice ne dispose que de la version de Jason Sean Fresco. Non seulement la famille de Mathieu souffre d'une perte irremplaçable, mais leur peine est d'autant plus grande qu'ils ont l'impression de ne pas avoir eu accès à toute la vérité. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?